Le lundi 27 novembre, la municipalité de Oisiers a proposé aux enfants demi-pensionnaires de l'école Gambetta une animation découverte de fruits et de légumes peu ou pas connus. Une action qui s'inscrit dans un ensemble d'animations organisées en collaboration avec Scolarest dans les restaurants scolaires de Oisiers. Explication avec Brigitte Morantin, adjointe aux affaires scolaires et à la culture. Il faut savoir que ça fait plusieurs années que l'on est sollicité pour des petites animations ponctuelles comme ça. Quelquefois elles sont saisonnières. Ça consiste à faire un repas ou une semaine de repas spécifiques sur les produits que l'on peut manger dans la saison. Par contre, aujourd'hui, c'est particulier. C'est beaucoup plus pointu puisque nous avons droit à un prestataire qui est payé par le ministère de l'Agriculture et qui sillonne comme ça les Hauts-de-France, qui va dans les écoles pour présenter des produits que les enfants n'ont pas l'habitude de connaître. Au restaurant scolaire de l'école Gambetta, c'est Marc Grenier, intervenant d'Interfel, qui a fait découvrir aux enfants le pané, le fenouil ou encore le pomelo, dans le but de les inciter à consommer à la maison plus de fruits et de légumes. L'animation se déroule en deux parties, c'est-à-dire que nous avons une première partie où nous présentons aux enfants des petites assiettes dans lesquelles vont se trouver deux fruits, deux légumes en dégustation. Donc ils vont devoir les reconnaître. Et puis ensuite, il y a une partie découverte olfactive, puisqu'on va leur faire découvrir des petits shakers dans lesquels on a caché des fruits et des légumes. Ils vont devoir retrouver l'odeur en rapport avec l'assiette.